Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, on se retrouve sur Doom. Et on va casser les culs. Alors attendez, je viens de fermer le gestionnaire des tâches, ça n'a pas aimé. Ok. Alors, il fallait que je fasse mumuse avec un truc, non? C'est quoi? Ah oui. Gameplay 3, GG, c'est beau. Niveau thermique, cœur, seuil critique. Hein? C'est connerie là. Ah. Tiens, je ne fais que mettre en... Qu'est-ce qu'il a, Harry Potter, là? Mais je vais vous faire bouffer vos darons en salade, vous, bande de trous duc. Qu'est-ce qu'il a, le CRS, là? Qu'est-ce qu'il a, le CRS? Tu veux qu'on discute, c'est ça? Ok. Qu'est-ce qu'il a, Robocop, là? Ferais ta gueule! Ok, pardon. J'ai peut-être un peu perdu le contrôle. Putain, mais j'ai trop le réflexe de vouloir recharger alors qu'on recharge pas dans ce jeu. Oh, il a essayé. Ouh, je lui prends la braguette. Ah! Ok. Je suis un putain de gilet vert, moi. Je suis un putain de gilet vert. Et je vais recharger ma gourde parce que je bois beaucoup d'eau. C'est très important de s'hydrater. Je bois un verre d'eau précieuse. René, hein, René Dumont, si tu nous écoutes. Ok. Et aux dégâts d'explosion. Ah, c'est bien ça. Ah, ça j'aime bien par contre. Ah, mais il m'en faut deux, c'est nul. Ok, bon, je vais prendre ça. C'est d'accord. Ok. Bah c'est bon, échappe. Maintenant, tab fermé. Ah putain, la vache. Non mais à chaque fois je me fais avoir alors que ça n'a aucun sens. Ok. C'est les balles explosives ça? Oui. Alors. Casser les culs! Casser les culs. Il a le CRS, ça va fermer sa gueule! Tu vas bouffer ton LBD, moi, salope! Qu'est-ce qu'il a le tuffer là? Tu veux un TAS, c'est ça? Tu veux un TAS? Oh, la Doom 2016 ou Eternal, salut Héroard, c'est Doom 2016. C'est Doom 2016, on casse des rotules. On pète des énormes rotules. Ah, je rentre dans... Ok. C'est un cadeau. Ah, ok. Il vous donnera la force nécessaire pour poursuivre votre route. D'accord. Si vous supportez le choc initial... T'as déjà testé Eternal? Bah non, pas encore, du coup. Je voulais faire celui-ci avant de tester Eternal, qui paraît-il excellent. C'est trop vénère. Attention, cellule argent. Cheminer la puissance vers le sous-système. Moi j'aime bien les munitions. J'aime bien pouvoir avoir plus de munitions. Eternal, c'est rien à voir avec celui-là. C'est un gros défouloir. Oh bah, déjà que celui-là, j'ai l'impression de péter des rotules à l'appel. J'ai l'impression d'être Valérie Pécresse qui vient récupérer les dons des votants. Non, parce que maintenant ça me paraît plus aussi fort, c'est un sup. Hein. 31337 membres de l'UAC sont ah. 81% du complexe a été verrouillé. La présence des le monstre en face là, on dirait un Warframe. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté. Samuel Hayden pour le cul. L'invasion a débuté dans le laboratoire Lazarus. Il semble qu'une onde infernale a été activée, transformant 64% des employés de l'UAC en créatures qui errent dans le complexe. D'accord. Les autres ont été tués par les démons libérés de leur cellule de détention par Olivia Pierce. Surprise. Ça change de jeu rétro. Ah, je sais pas des jeux rétro, je fais beaucoup de jeux indés, mais des fois on fait des gros jeux. On avait fait les Wolfenstein aussi. On fait pas que du jeu rétro. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de jeux indés ici. Je suis pas trop au jeu mainstream. De manière générale.
Nos recherches peuvent vous déplaire. Mais de temps en temps, un bon FPS là pour casser les gueules. Les cheveux un peu bizarres. Salut Shenzin, comment ça va? J'ai téléchargé hier Blast Brigade versus the Evil Legion of Dr. Creed. Ça doit te parler. Alors, je connais pas du tout. Rimworld? Ah, j'ai pas fait Rimworld. C'est le genre de truc qui va me trigger, Rimworld. C'est comme Oxygen Not Included. Il m'avait saoulé ce jeu. Comment ça va, Shenzin? Mais non, je connais pas ce jeu-là, Hiroir. Celui-là, il ne me dit rien. Qu'est-ce que je fous là? C'est un jeu à la vue Mario, mais excellent, je trouve. Ok. Bien, elle a mis. Bon, ça roule, écoute. Hein. On casse des culs. On casse des gueules. POV, Valérie Pécresse vient réclamer les dons aux électeurs. Voilà, on vient récupérer des chèques à 0€. Mais je regarderai ça du coup, Roar. Je connaissais pas. Ok. Une pierre deux coups. Tu es deux possédés d'un seul coup avec le shotgun. Debout. 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 Exceptionnel. Le remix par Raleigh Frix. Il fait 700 mégas donc il est pas gros. Il y a que 250 niveaux. D'accord, ok. Bon, je regarderai ça. Je regarderai ça. Il faut que je fasse au espace. Moi, je regardais l'animation comme un gland. La fusion des réacteurs. Je n'ai pas fait espagnol, hein, vous le savez. Du coup, c'est un cauchemar et c'est raciste. Ok. Alors, casser les culs. Et du coup, je suis à fond au niveau des munitions, c'est cool. Un diagnostic de l'armure Praetor, il apparaît que je peux accélérer l'amélioration. Putain, c'est la voix de qui, Vega? Ça me trigue, c'est qui le doubleur? De suivi à l'affichage de votre casque. Je le connais, ça me rend ouf. Ah, c'est Pierre Tessier, je crois. Le complexe ne vous permettra pas d'accéder à la salle de turbine, à moins que le niveau de menace démoniaque ne diminue dans la fonderie. Les systèmes de sécurité sont inviolables. Ok. Bah c'est les systèmes de sécurité. En général, quand on dit que les systèmes de sécurité sont inviolables, c'est qu'ils le sont. C'est tout pété dans une aventure de type Metroidvania en 2D qui regorge de défis de plateforme, d'exploration poussée, d'action explosée. Oh putain! Le... oh le petit décalage! Le petit strafe au moment le plus opportun. Ferme ta gueule, toi! Tu vas bouffer tes couilles en tout faille! Sac à merde! Tu vas chier tes dents, trou de cul! Trou de cul! Pardon. Stéphane Rochevski. Ah, ok. Il a doublé qui? D'accord, exactement. Si tu veux, toi. Qu'est-ce que tu veux des boutons de manchette? Oh, le mec qui explose. Incredibulu. Salut, j'ai la Covid. Salut, Prisme. Ah, bah, bon établissement. Courage. Cachez ta chasse, truc de merde! Il est possible que je sois peut-être un peu possédé. Ne m'en voulez pas. Ne me jugez pas. Accès refusé. Comme sur Eternal, celui-là, je me souviens plus. Chaque kill en exécutable au corps à corps te redonne de la vie plus munitions. Ouais, c'est ça. Ma famille d'abord, Mike. Ok. Bon, ça, j'ai jamais trop regardé, donc je sais pas. Dans les jeux, dites-moi des trucs dans les jeux. Tessie a fait que des voix additionnelles, donc. Ok. Il a passé un bon moment, ce garçon, dis donc. Terrible. Ça le bail, hein. Attendez, quoi? Ah, faut que je suive Jean-Michmuche, là. J'ai que ça à foutre. Hein? Elle est pépée de Doom 3. Le Joker, ok, j'ai pas fait Batman. Gros monstre de Doom 3, ça. Ah oui, je vois, c'est lesquels, et ceux qu'il y a sur la jaquette, du coup. Il a fait certains Jokers dans les jeux récents. Ok. C'est Allen Co, putain, merci, c'est Allen Co dans Mass Effect. C'est de là que je l'ai. Cette baltringue de Kaidan. Cette grosse baltringue de Kaidan. Oh là là, lunette tactique. Allen Co, bien vu, ouais, tout à fait. Bien vu l'aveugle. Il y a des voix comme ça, je les ai. Enfin, je les ai. Je connais, ça me dit quelque chose, mais j'arrive plus à le replacer. C'est comme on a regardé Octobre avec ma meuf la dernière fois.
Et j'étais persuadé de connaître la voix, mais j'arrivais pas à trouver le nom des doubleurs, parce que c'était qu'une série Netflix avec doublage fait maison, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était Vega dans Mass Effect. Pendero. Toi qui connais bien ce jeu, je dirais. Une coop, il est bien, car j'en ai eu un mauvais écho. Il n'y a pas de coop dans Mass Effect, hein. Je crois pas qu'il y ait de coop. Il y a un mode multi, un peu chelou. Mais Twilight. Ah ouais, mais j'ai pas regardé Twilight. J'ai regardé le premier, j'ai regardé 5 minutes, je me suis endormi. True story. True story. Ok. Il fait du David Tennant. Ah ok, d'accord. On va faire du Joker. Pierre raté forever. Mais c'est pareil, j'ai pas trop la culture Batman. Ferme ta gueule, trou de cul. Tu vas bouffer tes couilles dans tout faille. Tu vas chier ta chiasse. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il veut des boutons de manchette, c'est ça? Je vais te refaire la boutonnière. Je crois que c'est Mass Effect Andromeda. Non mais Mass Effect Andromeda il est nul, faut arrêter avec ce jeu. Il est à chier. On s'emmerde. Je perds pas du tout le contrôle hein. Doc Brown. Ah dans votre... Ok. Il y a eu des soucis mais pour d'autres raisons. Ouais voilà c'est ça. C'est pas la coop qui a foutu la merde. C'est tout le reste. Non, je dis ça, je suis méchant. Ah... Il est pas si mauvais que ça. Ça se fait, mais ça se fait une fois. C'est moyen. C'est assez moyen. On s'emmerde un peu. C'est pas un exemple d'open world très réussi. Je trouve. Je vais prendre la santé plutôt. Je trouve que c'est vraiment un exemple d'open world pas réussi. Et... C'est pas bien fini, quoi. Alors que les trois premiers, c'est Gauthier. Alors que les trois premiers, c'est exceptionnel. Mais bon, je pense qu'il y a eu des soucis aussi au niveau du développement en interne avec... BioWare, tout ça, qui leur ont imposé le moteur Frostbite qui maîtrisait pas du tout, et ça leur a joué des tours. BioWare est mort. Bah, on va attendre de voir ce qui sort là, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas dingue quoi. Après, peut-être que ça leur servira de leçon. Moi, j'ai envie de croire que ça leur servira de leçon et qu'ils vont arrêter de faire de la merde ou que EA va leur redonner un peu d'autonomie justement. Parce qu'ils sont pas cons non plus, hein, ils savent que. Ça sert à rien d'enchaîner des échecs commerciaux. On va voir ce que donnera le prochain Dragon Age. On verra ce que donnera le prochain Mass Effect, même si c'est des échéances assez lointaines. Dragon Age 4, quand? C'est exactement ça. Quand? Where? Where, by... Where Mass Effect? Where Dragon Age? C'est bien ce qu'on m'a dit, donc je demande. Oui, voilà. Mais non, Andromeda, il y a pas de coop, mais après, le jeu en soi est pas dingue. Et en cas, je recule ici. Bonsoir, Pivonette. Comment allez-vous? Anthem, ça leur servira de leçon, Andromeda. Ça leur servira de leçon, etc., etc. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, Andromeda était pas... Je pense pas qu'Andromeda était au niveau d'Anthem, tu vois. Parce qu'Anthem, apparemment, c'était vraiment à chier. Andromeda, ça se faisait quand même. C'est pas exceptionnel, mais... Pourquoi pas? Ça se teste. Dragon Age, mais avec moins de farming relou. Ouais, ça, ce serait... Tu vas fermer ta gueule, espèce de truc de cul de merde! Qu'est-ce qu'ils me veulent, CRS, là? Tu veux t'en coup de LBD dans le cul, hein, tu vas voir? Oh, y a un petit ducking sur la musique quand tu tues un mec. Exceptionnel. Ça va fort bien. Parisie. Oui, ça va. Très satisfaisant, ce que tu fais là, tout à fait. Ce jeu réveille le syndrome de Tourette de d'April. Un petit peu. Après, ils ont le droit et les moyens de se redeem. Je suis pas du genre à trash avant d'avoir essayé en une sortie. Ouais, c'est ça en fait. Je préfère me dire qu'avec un peu de chance, ils arrêteront de faire de la merde sur la suite. Et que ils prendront des mesures, on va dire. C'est vrai que de prime abord, ça fait pas toujours rêver, mais faut leur laisser une chance. C'est pas parce qu'ils ont fait de la merde que ça prévaut sur. Ça permet de présumer de la qualité de ce qu'ils feront après. Ils ont quand même des gens compétents chez eux. Peut-être qu'ils arriveront à faire comprendre à EA que c'est pas dans leur intérêt de faire des jeux de merde finis à la pisse, quoi. Après, je sais que c'est dur à faire comprendre ça à EA. C'est clair que c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il veut, là, le Flipendo? Tu vas te calmer, Harry Potter? Pardon. Ils arnaquent les joueurs une fois, deux fois. Bah, c'est ça, et puis le problème, c'est que ça passe, quoi. Forcément, il y a une espèce de forme d'impunité qui arrive.
Ghostwire Tokyo est très bien fait graphiquement aussi, jeu solo, mais très propre, j'aime beaucoup. Alors j'ai vu plein de trucs dessus, mais je l'ai pas, j'ai pas trop suivi Ghostwire Tokyo. J'avoue, j'ai pas trop suivi le délire. Tout va bien changer l'époque où j'y jouais, mais où sont les pixels? Ah bah ils sont dans le sang là. Tiens, bouffe ta merde, espèce de cul de merde! Tiens, la prime Macron, va! Tiens, 20 heures de bénévolat pour ton RSA, trou de cul! Tu vas aller faire tes travaux d'intérêt généraux, connard! Je suis perdu. Ouais, en fait, le principe est toujours le même, mon amour. C'est-à-dire que tu cours et tu casses des gueules. Et tu pètes des rotules. Ils sont bien lisses. Oui, oui, ils ont été bien lissés. Justement, il y en a plus. Beaucoup plus. Car le Anthem, ne vous inquiétez pas. On va faire la version 2. Lol, oui. Bon, voilà, c'est sûr. C'est sûr. Hein? Je peux vraiment faire ça? Oh, pff. C'était limite, ça. Grosse zik, hein. Grosse zik, en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? C'est de la merde. Verrouillage zone, super. J'ai la conviction que je suis pas parti au bon endroit. Qu'est-ce qu'il a à faire des flipendo là? Tu vas te calmer, Mesmer le fascinateur? Pardon. Ok. Houdini tiers quoi. Sur un fond de métal et une odeur de testo. Ouais, non, mais c'est trop ça. Puis Doom 3, il y a plus de pixels. En revanche, j'ai vu une vidéo de l'ancien Doom 1999. Ils ont foutu le ray tracing. Et franchement, pour un vieux jeu, c'est très satisfaisant. Ah, j'ai pas vu ça. Rendez-nous, moi, le vieux Doom. Mais non. J'aimais beaucoup le sound design aussi. Non, non, mais en vrai, bon, je crois que Doom, il tourne sur un test de grossesse, un truc comme ça. Il y a des gars... Il y a même un gars, et ça, j'avais trouvé ça exceptionnel. Un gars avec un processeur Xeon à je sais plus combien de cœurs, mais genre 128 cœurs, qui a utilisé la fenêtre du gestionnaire des tâches où vous pouvez voir l'activité de chaque cœur de votre processeur. Et il a codé un programme qui lui permettait de jouer à Doom là-dessus. Et du coup, ça a activé son processeur pour créer l'activité nécessaire pour reproduire les graphismes. J'avais trouvé ça incroyablement dingue. Et archi con aussi. Tu vas fermer ta gueule, truc de cul de merde! Putain, j'ai les dents qui vibrent. Faut que j'arrête, je vais me casser une dent. Je lurk, douche des bisous, Héroard. Merci beaucoup pour le lurk et bonne douche. Qu'est-ce qu'il veut là, Plantman? Détruire les nids Agor, les nids d'Algor, Excelsior, l'homme oursport. Pas hyper homologué, mais on adore, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai rien compris. Y'a rien à comprendre. Y'a rien à comprendre. On casse juste des culs et c'est jouissif. Attendez, hein? Je suis où là? Mais je suis où, putain? Y'a que Shenzhen qui aura cette blague en plus. C'est ridicule. Tapez, exactement Shenzhen, c'est super bien résumé. Pour tout résumer, très facilement... J'ai de la création. Voilà, concrètement. C'est The Pop of Dope, mais encore plus sous crack. Si vous mangez de la viande crue pendant 3... Mais chio, putain. C'est normal, c'est Goodwin. J'avoue, j'aimais bien le sound design. Ah, mais le sound design de celui-là, il est incroyable. Il y a un plaisir de défoncer des darons, quoi. Il y a le plaisir de leur défoncer leur mère, quoi. Heureusement, non, je pense en tous les midis. Terrible. Je vais lui faire bouffer de la viande crue. Zouz, elle va rien comprendre. Attends, mais c'est quoi ces conneries, là? Faut que j'aille où? Je suis où, putain? Mais attendez, mais qu'est-ce qui me casse les couilles avec Houdini, là? J'ai toujours la foutre de lui. Il faut que je fasse le tour. Sûrement. Ah, je peux remonter par là. Super. Je sais même pas si remonter, c'est une bonne idée. Oh! Ah! Mais fallait le dire tout de suite! Ah, mais fallait le dire de suite. Bleu uniquement. Je ne suis pas syndiqué chez Alliance, je ne peux pas rentrer. Terrible. Goudini, mon alter ego italien. Tout à fait. Le fameux Goudini. Qui se sépare de ses 200 hectares de terre en Champagne quand le fisc fait un contrôle. Impressionnant. Impressionnant. Aussi impressionnant que ce kebab qui a écrit liquidation totale avant contrôle d'hygiène sur sa aventure. Très impressionnant comme technique. Personne ne s'y attendait. Est-ce qu'il y a toujours le bazooka? Je sais pas, mon amour. Je sais pas, mais là, j'ai des gros guns. J'ai des gros guns et je nettoie des culs à l'ammoniac. C'est très plaisant. Il faut que j'aille où, là? Ah, il me dit l'étage? C'est ça, le délire? Faudrait que je reste ici et que je casse tous les nids de merde, là, c'est ça? Oui, mais c'est peut-être tout simplement par là. Hein? Ah, je peux aller là, maintenant.
Quand un gros gun. C'est un placement. Tranquille, merde. Tu vas le fermer ta gueule. Pardon. J'ai peut-être un peu perdu le contrôle. Mais c'était tentant. En même temps, il m'a cassé les couilles, quoi. Ah, mais reviens ici. Mais attendez, mais je suis pas déjà venu ici? Je comprends plus. Mais si, je suis déjà venu ici. Ah non. Pas celui-là. C'est le même poste, mais c'est pas exactement le même endroit. Ça demande du doigté, ces combats. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il va? Il va encore me casser les couilles, ce truc là. Tu vas fermer ta gueule. Oula. Ok, j'ai peut-être été un peu audacieux sur ce coup-là. Il est possible que j'ai été audacieux. Alors après, j'aurais peut-être pu utiliser le module du pont pour envoyer des balles explosives. Il y a un monde où ça m'aurait peut-être aidé. N'oubliez pas, le conseil aveugle garde un œil sur vous. Le conseil aveugle... 25%. Le conseil aveugle garde un œil sur vous, hein? Par de quoi? Quoi? Ferme ta gueule! Ah, tu fais moins de kick-coach là, hein? Ah non, c'est vrai que j'ai plus les balles explosives, j'ai les rafales de mort là. J'avais oublié ça. Qu'est-ce qu'il me veut lui là? Oups. Il l'a bouffé sa chiasse. Ah, le nid d'Algor Excelsior, il est là. Attention, température est en augmentation. Mais tu vas fermer ta gueule? Oh. Tiens! Il est passé où ce petit trou duc là? T'as fermé ta gueule! Votez mes du spork! Tu as voté Jean-Luc, connard! Lâche ce putain, il y a une Jadot putain! Pardon, il est possible que j'ai tenu des propos. Un peu outrageous. Jean-Luc. Oh, ce magnifique emote de cœur là. Ah non, not you, not like this. I think you gonna take my plasma in your cucu là. Right in the cucu. T'aimes ça la viande hein Fabien, t'aimes ça hein. La viande. Ah, j'ai le bleu. On parle bien du cœur de la commune d'Antoine Daniel. Mais c'était pas, j'en parlais sérieusement, il est joli. Ça m'a fait rire, il a des formes pas très orthodoxes, mais pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? J'ai rien compris. Connard Hein? Qu'est-ce qu'il me veut? Tiens, ferme ta... ça c'est un peu audacieux, ça, ce que je fais là. Ferme ta gueule, espèce de connard de merde! Pardon, j'ai peut-être perdu un peu le contrôle, mais c'est normal. En même temps, il a refusé de me servir une salade César, donc il a fallu qu'on ait une explication entre hommes, quoi. Entre mâles. Je vais reprendre le shogun. Oh, la techno, quoi. Techno toujours pareil. Qu'est-ce qu'il me veut l'autre con, là? Ferme ta gueule! Il veut pas me donner ma glace. Donne-moi ma glace. Donne-moi ma glace. Ok. Comment on utilise la tronçonneuse? Est-ce que quelqu'un a l'explication? Parce que moi j'ai pas l'explication, ça me trigue. Qu'est-ce qu'il a l'autre connard là? Tu vas me donner ma glace, connard. Ferme ta gueule! Oh non, Jean-Jacques, non. Not like this, Jean-Jacques! Oh! Oh, toute la vie qu'il m'a redonné là, c'était incroyable ça. Je peux pas sauter. J'y ai cru, hein.
J'ai vraiment voulu que ça arrive, mais... Cucu, hein. Votre formulaire démembrement et décès accidenté l'UAC. Point d'amélioration arme. Ah, très bien, ça. Et du coup, il faut que je trouve un terminal pour m'en servir, c'est ça? Ah, magnifique. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, il y a quoi, là? Putain, mais d'accord, ok, oui, j'ai vu. Vu, je l'avais pas vu. Ok, bon, ça doit être par là, logiquement. Oh, je cache les gueules, moi. Ah non, je peux pas améliorer. Ou alors, c'est dans le menu, peut-être? C'était sur quoi? C'était sur tab. Verrouillé. Ah, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Je peux améliorer le truc. Ah oui. Bah oui, évidemment. J'augmente la cadence de tir de la rafale. Chargement rapide. Ah, c'est ça que j'aurais dû mettre plus tôt. T'es d'accord. Ça, je m'en sers peu du tir chargé, mais pourquoi pas. Ok. C'est par ici. Bah non, mais je suis déjà venu ici, non? Ah, mais j'ai peut-être pas fait le truc qu'il fallait. Parce que je suis con. C'est une possibilité. Ok. Accès refusé. Comment ça, accès refusé? Tu sous ma gueule? Ah non, fallait que je suive Jean-Jacques, là. Ce con de mime. Bon, c'était pas ça. Fallait pas faire ça, visiblement. Oh, c'était trop court, ça. Oh, c'était beaucoup trop court, ça. Ah! Ah ouais! L'amélioration d'armure, Nid. Jeton de prétor obtenu. Attendez, avec le truc bleu, là, je peux pas ouvrir des portes, là? Ah, non, c'est une idée de merde, ça, ce que je fais, là. Mais, sourde con de toi. C'est pas super homologué ce que je fais là. C'est clairement pas super homologué ce que je fais. Et je peux pas ouvrir la porte de cet écho là du coup. Putain, c'est relou. C'est un sup. Mais accroche-toi, espèce de blaireau. Ok. Je sais pas s'il faut que je rappuie. Dans le doute, je vais le faire, mais. Ok. Peut-être que je rappuie en fait. Ah oui, ok. Ah, très intéressant ça. J'ai trouvé le secret. Petite munition là. Ça, je dis jamais non à ça. Hein, hein? C'était quoi? Quel était l'intérêt de faire ça? Ah oui, mais si, j'ai compris. Parce que j'ai besoin de sa main de mort. Ferme ta gueule, truc de cul de merde! Ah, pardon. J'ai besoin de sa main de mort, c'est vrai. Oh. Accès autorisé. Oh, c'est glam, hein. D'accord, et du coup ça éteint le feu, très bien. Fuite de gaz, réparé. Qui t'arrache toi, truc qui merde? Je t'arrache ta glande Sébastien, connard! Ouais, je comprends, Shenzhen, c'est l'émotion. Mais il m'a pas donné ma glace en même temps. Moi je peux pas cautionner ça, quoi. Ok. T'as ce gueule, connard! Tchaaah! Je vais te faire bouffer tes dents! Je vais te faire chier tes dents, connard! Ah non, c'est vrai qu'il faut que j'arrête de faire ça, c'est stupide. Oh, la découpade! Présence des menaces réduites au niveau faiblement sécurisé. Oh putain! Fin du verrouillage. La Sorbonne, ça se fout un peu sur la gueule. Ah bon? Oh là là, la rafale là. La rafale Tseymour. Ok.
Fous ta gueule! Ah, c'est dommage, j'aurais pu faire un glory kill. Ah, la porte. La porta principale. Ouverture. Attention, la température du cœur atteint un niveau critique. Ouais, ouais, c'est bon, je vais te faire un tour de merde là. Fends ta gueule! Qu'est-ce qu'ils me veulent là? Qu'est-ce qu'ils me veulent les magiciens là? Donc, j'en ai pour le cul là! Je passe en mode vénère là! On va casser la couille! Tu vas fermer ta gueule toi! Avec ta tête de con là! En mode furax, exactement! Je suis passé du mode relax au mode furax. T'es la gueule! J'ai bouffé les couilles en tout faille, moi! Ah non, pas lui, pas lui. Tout mais pas lui. Oh non. Ok, le drame. Un drame en deux actes. Viens là. Viens là, connard! Tu vas bouffé dans ta gueule, mon placement! Ton cul! Voilà. Pardon. Ah, il est possible que ça sature un petit peu le son, hein. Quand j'ai des élans de fougue comme ça, sachez que c'est normal. Sachez qu'il n'y a vraiment aucun problème. Qu'est-ce qu'il me veut le magicien là? Pas grave, ça donne du relief. Qu'est-ce que tu as avec ton laser de merde toi? Pardon. Oh non, 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 pas le gros, pas le gros. Not the gros, par pitié. Avec deux gros? Ah, ils veulent vraiment ma mort, les bâtards. C'est pas très sympa, ça. Ah, mais j'ai rechargé ça, mais fallait le dire tout de suite. Non! T'es éclaté la gueule, truc de cul! Faire un 360 de ta nuque, espèce de bâtard! Wreck in the cul! Ok. Je me suis peut-être un petit peu emporté, hein. Vous remarquerez que tout va bien. L'essentiel, c'est que tout soit sous contrôle. Voilà, et au final, le réacteur est... voilà. Tout va bien. Magnifique. Ah, attendez, je crois que mon... hein ? J'ai l'impression que mon record a fait de la merde. Attendez, tu vérifies juste un truc. Il a refait un fichier ou pas ? 20h54, oui, j'ai dû le lancer à ce moment-là. Oh, j'ai peur de cut. Attendez, je vais cut et au pire je remonterai, c'est pas grave. A few moments later. Je relance du coup. C'est bon. Une salle de commande principale. Ah, le timing ne marche plus, ok. C'est peut-être Olivia. Ça fait 2 heures que t'es un petit peu emporté. Je crois qu'on peut assumer la violence maintenant. Oui, oui, tout à fait. Ah, le timer de mon record ne veut plus marcher. D'accord. Ah, je récupère la disquette. Je retire la ziquette. Faudrait peut-être que je m'en serve de ça d'ailleurs. Ah oui, mais j'en ai que 2. Ah, système d'équipement, si. Charge éclair, réduit le délai de recharge de l'équipement. Ça, c'est bien ça. Quoique. Héros gnome. Comment étaient les pizzas? Ou efficacité des pouvoirs, ça fait quoi? Explosion se déclenche et inflige des dégâts. Mais quel pouvoir? De quel pouvoir on parle? Dextérité. Change d'arme plus rapidement. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est ma cam, ça. Effectivement, ça change très vite. Nickel, fort goûteuse, magnifique. Oh, je vais t'ouvrir le volet, moi. Qu'est-ce qu'elle me veut, l'autre dinde, là? Autorisation. Olivia Pierce. Alpha 4. 0. J'ai une bonne nouvelle. C'est un week-end de 3 jours. Oh, beau! Ouf. Elle a tout verrouillé, Dr. Hayden. Elle a tout verrouillé, Dr. Hayden. Je suis une grosse baltringue d'IA qui n'a aucune conviction. Elle essaie d'ouvrir un portail entre leur monde et le nôtre. Dernier week-end avant l'apocalypse. Terrible. Mais vous voulez pas, licencier cette démon?
Elle a clairement une tête de psychopathe. On comprend pas ce que tu dis, Jacqueline. Attendez, on peut pas activer les sous-titres ? Ah si. J'aime bien quand il y a les sous-titres parce que il y a des gens qui galèrent à soit qui sont malentendants, soit parce que le mixage est pas terrible. Bon, je veux dire la violence elle est lisible mais peut-être attendez, si on voulait vraiment être dans l'immersion, faudrait que je mette ma gueule comme dans le premier Doom, faudrait que je mette ma gueule au milieu de l'écran. Attendez. Et que je fasse des gueules chez eux genre ça, ce serait exceptionnel. Attendez, on va passer en mode Doom. On va passer en mode Doom. Ah oui, il fait ça. Come get some. Ça y est. Je fais ta gueule, je cherche, connard. Kiki. Ousky. Mange une cuisse de poulet. Ah, j'en ai pas, j'ai plus rien à bouffer là. Faut que j'aille faire des courses demain. Nous allons devoir désactiver la tour argent manuellement depuis la surface. Roleplay Doomga. Come get some. You wanna dance? Ah non, ça c'est du Duke Nukem. Aucun rapport. Oh, absolument aucun rapport. J'ai rien à bouffer que je pourrais manger très agressivement. J'ai plus de pommes. Ah, une pomme. Très énervée, ça peut être très drôle. Non, j'ai plus rien à manger comme ça. Les gâteaux, ça le fait pas. Terrible. Terrible. Télébulu. C'est bon, c'est chargé, là? Allez, on se dépêche, là. Hein. Hop, hop, hop. Alors. Ah oui, non, c'est bon, c'est revenu. J'avais de la latence, c'était bizarre. C'est parce que c'est le chargement. Olivia se sert de la tour pour percer un passage vers leur monde. D'accord. Désactiver les filtres à induction pour désactiver les tours et l'empêcher de continuer. Oh putain. Pardon. Je voulais pas vous... Oh la vache. Pas voulu passer celui-là, hein. Les activités interdimensionnelles autonomes sont fréquentes en dehors de la base. Ok, je vais peut-être... Oh la vache. Je fais tout ça un bon coup parce que... Ah la vache, désolé. Désolé, mais il voulait pas passer celui-là. Hein. Petit avalage de travers là. Ah oui, envie de Guillaume Canet, hein, clairement. Clairement envie de Guillaume Canet. Oh putain. Tant d'encouragement à ce que je Guillaume Canet. Ce n'est plus Guillaume Tell, mais Guillaume Can. Non, je viens justement de m'étouffer aussi, mais je te le dis, on est trop connecté, mon amour. Guillaume Canon en sang, terrible. Les noces funèbres. Quel enfer. Oh, je vais peut-être pas prendre le fusil à plasma, ce serait puéril. Vous allez vous calmer, là? Bah, enfin, Gérard. Ah. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Épreuve runique. Faut que je tue 15 mecs en 10 secondes. Au shotgun. Plus 2 secondes par élimination, plus 4 par... Ok. D'accord, on va essayer. Hein. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais pourquoi pas. T'as fermé ta gueule! T'as le cul! T'as fermé ta gueule! Connard! Mais tu as bouffé ta chiasse! Ah, j'ai perdu un peu de temps là. Ferme ta gueule, connard! Comment ça t'as voté Macron? Lâche ce putain, Yannick Jadot, putain! Oh non, je veux pas de choc là-dessus! Ferme ta gueule! Ah, pardon. Pardon, c'était l'émotion. Mais du coup, j'ai récupéré un truc, mais je sais pas ce que c'est.
C'est pas clair. C'est pas très clair. Mais oui, c'est clair. Ah, faut que j'appuie sur l'espace. Merde. Allez, runes. Ah, c'est bien ça. Très très bien ça. Ok. Ça, c'est un aspect que j'aime bien. Comment ça, t'es Macron? Ouais, j'essaye de faire un peu de roleplay. Comment ça, t'as donné Pécresse, connard? Non, mais POV, Pécresse va récupérer les chèques de dons. On le dira jamais assez. Oh oui. J'adore le fusil d'assaut. Il y a des grosses sensations sur le fusil d'assaut. Ok. Oula. Bonne ambiance ici. On s'amuse. Ici, on sait s'amuser. Qu'est-ce que c'est? On se requête! On se requête, putain! Déchaîné, hein. Déchaîné, moi! Je vais t'éclater, grand mort! Le Joe! Le David! L'enfant de ses morts! Qu'est-ce qu'ils me veulent, le Pendo, là? Oh putain, le CRS! Tu as bouffé ton LBD! Par le cul! Oh merde, oula, j'ai fait une connerie. Ok, j'ai peut-être été un peu agressif là. Nombre de personnes qui essayent de percer sur les réseaux en envoyant un chèque à 0€, c'est pitoyable. Ah, moi je trouve ça drôle. Moi je trouve ça un peu drôle. Parce que bon, Pécresse, voilà, elle passe sa vie à dire que sa valeur c'est le travail et tout. Et bon, bah, elle demande aux gens de l'aider à rembourser sa campagne. Je trouve que c'est un peu drôle quand tu critiques l'assistanat d'être toi-même un putain d'assisté quoi. Mérité, ouais, voilà, c'est ça, mérited en fait. Mérited de ouf. Gros chèque. Aïe, aïe. C'est ça de faire des mythiques pour dire « Debout ! Vous m'avez manqué !» C'est drôle la première vidéo, puis la seconde, mais au bout de 100 vidéos, ça devient nul, je trouve. Ah non, mais moi, ce qui me fait rire, c'est d'imaginer leur gueule à LR à recevoir des milliards de chèques de merde. Après, en soi, les gens qui font ça, je m'en pogne un peu. C'est juste que dans les faits, je trouve que l'effet accompli est rigolo. Maintenant, oui, les gens qui essayent de percer avec ça sur Twitter ou autre, effectivement, le premier, c'est drôle, mais quand tout le monde le fait, c'est chiant, quoi. Connard ! Mais qu'est-ce que t'as, toi, là ? Va-t'en faire du buzoir Darmanin, connard ! Qu'est-ce qu'il a, l'autre con, là ? T'es pris pour Thierry l'Allemand ? Non, c'est Didier l'Allemand, aucun rapport. Thierry l'Allemand, le fameux préfet de Paris, et Didier l'Ermite, le fameux acteur. On connaît les beaux obscurs. Donnez-moi le shotgun, voilà, c'est bien. Shotgun, c'est bien. Le shotgun, il se bien. Connard ! Faire chier tes dents, moi ! Oula, ok, lui, je vais peut-être pas lui faire chier ses dents. Mais je suis trop con, j'avais le glory kill. Faut pas lui donner de l'argent, c'est pas l'aider que de faire ça, vaut mieux qu'elle se trouve un travail. Exactement. Tu sais, une vingtaine d'heures de bénévolat par semaine, ça lui fera le cul, quoi. J'attends le moment où ils vont recevoir des tickets resto. Oh, ça va arriver, ça. Après, dans l'idée, c'est drôle, c'est clair, j'espère que sa boîte va être pleine. Oh oui, ah oh, bah non, mais elle a déjà reçu 30 000 chèques de moins de... Pour 30 000 chèques qui totalisent une somme de seulement 2 000 €. Donc c'est déjà réel. Hein. Et si, ça existe encore sous forme de tickets, Gnome. De moins en moins, parce que les cartes se démocratisent de fou, mais t'as encore des tickets resto en forme classique, on va dire. Mais si t'as pas entre eux, c'est con, là. Mais ta gueule! Tu vas fermer ta gueule! Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux des boutons de manchette? Je vais te refaire la boutonnière! Putain! Viens là! Tu veux que je t'agresse? Je te fous trop le cul, moi! Ta glande Sébastien dans le cul, connard! Ablation d'hémorroïdes sans anesthésie, bien évidemment. C'est important. Oh oui! Putain, mais ça marche super bien contre eux, ça, en fait. Je sais pas pourquoi je m'emmerde. Ok.
cul, là. Qu'est-ce qu'il me veut, l'autre connard, là? Avec son bras dans le plâtre. Je vais le faire bouffer, moi. Oh, je l'ai buté, alors que je voulais faire un glory kill. Je suis un peu déçu, là. Je suis un peu sage. Personne pour lui envoyer une carte chance. Elle est directement en prison sans toucher les 20k. C'est vrai que ça, ce serait très drôle, ça. Là, il y aurait un plaisir. Il y aurait un plaisir certain. On ne le bouderait pas, en tout cas. Oh la vache, c'est... C'est plaisant. Connard ! Ferme ta gueule ! C'est quoi, ça, par terre, là ? Ah, c'est la tronçonneuse. Mais la tronçonneuse, j'ai pas compris comment ça marchait, hein. J'ai vraiment pas compris comment ça fonctionnait. Ah mais attendez, j'ai pas des tutos là ? Arme, tronçonneuse. Mais je m'en fous, moi je veux les... Tiens, base de données. On me dit pas comment ça marche. Comme une arme de marché noire. Ah oui d'accord, ok. T'as voté Mélenchon au premier tour, maintenant tu veux voter Marine Le Pen, viens là, fumier. Ah non, mais par contre, ces gens-là, je les comprends pas. Un petit clipping. À la limite, que t'aies envie de t'abstenir ou de voter blanc, pourquoi pas. Ce sera peut-être mon cas. Mais alors, voter Marine Le Pen au second tour. Putain, j'ai un peu de mal. Je dois retirer, moi, la lentille, connard. Temporairement. Il n'est pas nécessaire de détruire la production d'énergie d'argent. D'accord. Bah l'argent, on va pas détruire l'argent, ça c'est sûr. T'es con le Doomguy. The Doomguy is a bit teubé quand même. On est quoi du coup? J'ai mes objectifs. Ah il faut que je ressorte, ok. Got it. Cette image dans le hashtag what the fuck. Oh oula, j'ai peur. J'ai très très peur, Minotaur. Faudra que j'aille voir ça, j'irai voir ça pendant ma pause là, bientôt, Soon TM. Par contre, mon compteur de... Mon timecode de record est vraiment pété, hein. Ça me fascine. Ça me trigger aussi un peu. Intrusion démoniaque détectée. Ok, ça c'est peut-être un peu débile ça. Peut-être un peu. Ferme ta gueule! Mais tu as bouffé ta chasse, espèce de trou de cul, va! Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Retourne sucer, Darmanin! Ouf. Ah non, là, pour le coup, c'est moi qui fais un peu de GAV, là, je crois. Ah! Ah, il m'a cassé la gueule. Bon, oh, j'avais gâché une balle. Ah, mais attendez. Je suis pas bien au centre, en fait. Ah non, mais je suis pas bien au centre parce qu'en fait, ma cam n'est pas bien... Je suis pas bien au centre de la cam du carré. Je crois qu'il aime pas Darmanin. Ah non, mais j'aime pas Darmanin. Déjà parce que c'est un violeur. Et ensuite parce que c'est un très mauvais ministre de l'intérieur. Et un peu un facho. Parle comme du gars qui a dit à Marine Le Pen qu'elle était molle. Hein. Vous savez qu'on est sur un stream de gauche donc... Bon. Vous avez le droit d'être de droite. Mais ne le dites pas quoi. Sinon Koudoune va vous théo direct. Ce sera dramatique. Je parlais pas de toi mais de l'alien. Ah oui non, il a pas aimé Darmanin. Non. Il a eu peur des conséquences. Je pense qu'il a eu peur des représailles de son boss quoi. On va faire le match retour, vous inquiétez pas. Théo, non, calme-toi Godwin, c'est bon. Tu vas fermer ta gueule, espèce de truc de cul, merde! Tu vas chiasse, moi! Toi aussi, tu vas fermer ta gueule, espèce de mange-merde, va! Tu vas avec ton bras au plat de merde, là! Tu vas fermer ta gueule, vous me cassez les couilles! Tiens, je te retire l'hémorroïde du cul, là! Droite, je banne à vue, mais non. En tant qu'ils le disent pas, ils ont le droit. Hein. Ferme ta gueule, toi! Qu'ils ont le champ, petit connard! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je suis rapide! Je suis rapide comme l'éclair! Oh merde, je suis tombé. Il y a un monde où je suis tombé. Enfin, vous quelle bande de connards! Je suis sûr que vous avez tous voté pour Marine Le Pen! Tiens! Toi, t'as mis un bulletin Jadot, connard! Ok, pardon. Mais ils sont où là? Ah, mais il y en a un là! Quel merde! Ah, j'ai plus la célérité, c'est fini. Finito. J'ai plus de pitié même pour la droite tradie.
Non mais bon, si... En fait, vérifie d'abord qui... si son sub ne banne pas à vue. S'ils sont pas sub, bon, on pourra peut-être se... Voilà. On pourra peut-être y réfléchir. Mais s'ils sont sub, demande-moi avant. Ah mais voilà, on va pas non plus oublier que je suis au MEDEF, quoi. Colin ! Philippe Poutou, un vote Poutou. Tout à fait. Amour épée. Philippe Poutou, en même temps, il est incroyable. Incroyable. Ok. Ok. Je fais pas une petite pause. Tu vas faire ta gueule, petit colin de merde ! Faire chier ta chiasse, moi. J'adore son sens du dialogue, tout à fait. Ah bah il est très... Très très ouvert comme garçon. C'est quelqu'un avec qui t'as envie de débattre à repas de Noël. T'as un problème toi? Tu crois que tu connard? Ok. Je suis peut-être un peu emballé. Je retire la ziquette. Ouch. Il y a moyen de bien se marrer en effet. Ah complètement oui. Poutou égale amour épée, le MEDEF égale amour slash rent. Exactement. Retire les hémorroïdes avec la chasse. Tu vas fermer ta gueule. Tu vas fermer ta gueule. Tu vas fermer ta gueule. Pardon. Oh, je pense que si les voisins ils m'entendent, ils vont péter un plomb. Je suis là. Qu'est-ce que t'as avec ton laser, toi? T'es pris pour un gamin à la foire, connard. Oh là, mais il y a un gros là. Ah non, non, je les aime pas eux. Ah. Ok, ça c'était peut-être un peu disproportionné comme move. Mais quand est-ce que je peux lui mettre un glory hole là? Je vais lui mettre un glory kill moi. Oh mais il y en a un deuxième et c'est honteux ça. Ah mais j'ai autant de munitions de lance-roquettes. Mais fallait le dire tout de suite. Ah oui mais d'accord, fallait le dire tout de suite. Bon alors je vais faire la pause avant ce petit passage là qui a l'air fort fort en émotion. C'est fort en sensation. Ok. Des bisous YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très vite.